Ok. Mec, on va se chier dessus quand il va apparaître. C'est attends, quoi c'est quoi ça? Ouais. C'est lui, cours, 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 cours. Oh, on est en live. Oh, on est en live. Ce soir, on va mouiller notre slip. Hein. Ce soir, le slip, hein, il n'est pas sec. Hein. Il n'est pas serre. Il est avant l'état dans lequel il est, avant de le mettre au sèche-linge. Hein. Attention, c'est un Vandamme de piètre qualité. Hein. Ça va commencer avec, si je ne m'abuse... Ça va commencer avec de la VR, parce que tu n'as pas testé Kitchen, une démo de 5 minutes sur PlayStation VR. C'est ça. On veut vous voir souffrir. Merci, les mecs. Tu vois ce que je vois, Cyprien? Ah bah, je vois totalement ce que tu vois. Bah, c'est super bien. Donc, j'ai un poteau qui est mort sur ma gauche, mec. J'ai un poteau qui est mort. Et c'est quoi, ça? Ah! Ok. Ouais. Ça l'a réveillé, ça l'a réveillé. Et qu'est-ce qui se passe? Et mec, lui, il va mourir. Dégage! Dégage, tu vas attirer le méchant. Tu vas attirer le méchant, casse-toi, meurs tout seul. Vas-y, libère-moi! Allez, vas-y, le couteau. Attends, tu me coupes le doigt, mec, fais tranquille. Oh! Oh! Attends, mec, mec, derrière toi! Mec! Ah mec, mec! Allez, tranquille, frère, tranquille. Starfoula, j'ai rien fait, c'est lui. Moi, ouais, je t'ai posé. Oh, mais t'as... Arrête! Tu pues! Tu pues! Oh, Starfoula! Mais il est trop con! Le méchant était là, il pouvait partir! Ah, il est en train de mourir, hein. Non, je pense qu'il va bien. Bon, il va pas bien. Bah du coup, je fais quoi? Il y a un bruit métallique, vieux. C'est pas moi. Hein. Elle est derrière. Non, elle est pas derrière. Oh mec, j'ai vraiment eu... Wow, sale pute. Wow, sale pute. Je savais, j'en étais sûr. Eh, si tu veux nous voir, t'es pas obligé de faire ça, hein. Tu viens à Paris Games Week, t'as pas besoin... Oh, ok. Arrête, mais tranquille. Mais c'est quoi ça? Le cauchemar ne fait commencer, la terreur continue dans Resident Evil 7, Biohazard. Là, j'achèterai pas ce jeu. Hein. Voilà. Je te remets en gros plan, mais. Oh, ça va, c'est ça. Allez, mets-toi bien. James Franco, une minute. Hop, ça dégage. Allez, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la VR aussi, c'est faire ce qui se passe dans le jeu, dans la réalité. Wow. Non. Ah, mec. Ça, normalement, y'a pas de soucis, ça fait peur à personne. Mais dans un jeu d'horreur. Ouais. Oh, il part en moonwalk. Ouais, il part, mec, vraiment le cliché du psychopathe. Du coup, il faut que j'aille parfaitement là où le danger est. Hein, ouais, bah c'est Outlast, tu sais bien comme ça se passe. Hein. Je mec, j'ai failli faire tomber ton téléphone. Satanas in Mikal Day. Ça veut dire abonnez-vous à ma chaîne amicalement. Là, tu vas devoir mettre les piles, mec, sinon tu vois plus rien. Ah oui, t'as raison. Voilà, ouais, ça part sur un sous-sol. Ok. C'est terrible, mec. C'est vraiment les mouches, j'aimerais... Ah bah... La VR ou pas? La VR ou pas? Ça, c'est la PlayStation caméra, elle a capté ton move. Ah, elle est trop faux. C'est faux, hein. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Ah, tu peux y aller, hein. Tu peux avancer franco comme James. Allez, on y va. Je vais pouvoir me pousser dedans comme un connard. Voilà, je t'essuie parce que c'est la réalité augmentée donc t'es mouillé vu qu'elle t'a salivé dessus. Bon, malaise TVS pour toi. Oui, c'est oui. Oh! C'est quoi ça? C'est un bug. Attends, mec, ça me fait flipper. C'est pas notre oncle. Il y avait un truc, là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on est tombé du conduit. On est d'accord, y'avait un truc. Ah non, mec, y'avait un truc là! Là, ça sent screamer, gros, je suis en panique totale! Ça sent screamer, sa mère! Attention, hashtag slip mouillé! Oh! Ah, on est parti sur une drogue là. De l'autre côté, va de l'autre côté, va de l'autre côté. Non, je veux aller là, moi. Faut que t'ailles de l'autre côté. Frère, je fais ce que. Oh oh. C'est court, court, trace, trace, faut se barrer là, faut se barrer, cadet. Vas-y, mais suis la meuf! Je m'en bats les couilles, frère, moi. T'es seul dans un complexe tout noir là. Exit. Alt F4, Alt F4. Vas-y, on va aller en musique classe. Oh! Cours! Mais je suis peux! Cours! Tu te relèves, cours! Cours! Là, mec, là c'est une chasse, je te le dis, faut que tu te plantes. Ah oui? Faut que tu te plantes.
Tu vas mourir noyé dans ton baril. Ah, je m'en bats les couilles, je vais faire noyer qu'assassiner comme ça quoi. Cyprien il est rigide tellement il a peur peut-être. Tu me fais peur, tu me fais peur. Ah il était, mec, il était là, il était collé au... Il t'a fait la bise ou pas? Il m'a fait la bise. Allô? Bien, hein? Ouais, t'es bien. Oh putain, non. Oh, les lunettes! Le réaliste s'il te plaît. Oh putain. Ça me... Mais mes couilles! Mes couilles, putain! C'est la fin du deuxième jeu, alors t'es ressenti? Je te sers pas la main. T'as kiffé? Ceci est mouillé, vous voyez pas, c'est des cascades. On va enchaîner sur un petit jeu indé que j'ai fait dans une vidéo, oui. Mais que tu n'as pas fait. Tu as trouvé 4 bougies. Ensuite, ça va te permettre d'ouvrir un coffre dans lequel il y a une clé. Avec cette clé, il faut que tu trouves la porte pour pouvoir t'enfuir. C'est voilà. Clair comme de la vase. C'est très bien. Oh putain, pourquoi on peut pas les récupérer comme ça? Tu te démerdes. Ah bah y'a rien ici, donc est-ce que je tryhard? Non. Se cacher dans une baignoire. Très mauvaise. C'est idée. Est-ce que c'est normal que j'ai la taille d'un meuble? C'est normal, c'est pas normal? Oh putain, je l'ai vu. Ah, ça va, c'est un clown, tranquille, tranquille. Oh putain. Vous l'avez vu avec moi? Oh putain, il marche sur les murs, l'enculé. J'ai trouvé la dernière bougie. Et c'est pas normal, je suis désolé, mais je sais pas normal que j'ai cette taille là. Où sont les bougies? J'ai les 4 bougies. Je sais pas où je dois aller. Mais... Arrêtez ces bruits de merde. Oh, I got the keys. Et tu cherches quoi là? J'ai la clé. Ah t'as la clé? Et je rentre dans ma maison. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. C'est à droite ou à gauche? C'est à gauche. Oh, hop. Retourne-toi. C'est le clown ça? Je sais pas. Bah. Bon, c'est long, hein. C'est long et chiant. Oh! Et voilà! Exceptionnel! Il était pas mal, mais la fin, j'ai pas compris. Hein. Enquêter sur des événements étranges qui arrivent. Voilà, après avoir découvert un... Bon, on va jouer au jeu, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on est donc dans cette putain de maison. Non, là, il y a une trappe, mec. Il faudrait une sorte d'escabeau, c'est ça? Et pourquoi pas ta petite tige? Mais non. Eh? Mais mec. Il faut la tordre. Va prendre d'abord ta tige. En fait, c'est un jeu de construction, en fait. C'est vraiment du bâtiment, non? Ok. Et vas-y, maintenant? Tu serres. Tu prends. Sinon, une là, pince. Mec, il y a une pince, hein. Putain, maintenant. C'est vraiment du bâtiment, quoi. Quelque chose, non? Ouais. De l'autre côté, alors, de l'autre. Tu vois? Bon, est-ce qu'on passerait pas sur The Joy of Creation dans le doute? Oui. Non? Oh putain! C'est vraiment passion bâtiment, hein, le mec qui a fait le jeu, quoi. Le bricole! Allez, on y va. Merde, il fait sombre. Allez, c'est pas, on va passer à travers ça. Prépare-toi, il y a une tige. Mec, ça va forcément. Mais c'est du BTP non-stop, c'est incroyable. On a une barre. Un truc pour pincer et un pied de biche là-bas. La barre de fer. La barre de fer. Ouais. Non. Ça ne marche pas. La planche. Ah non, il faut une pince coupante, mec. Putain, Jean-Michel, bâtiment, passion, réaliste. Je peux péter ça. Et là, il y a quoi derrière cette porte? Il y a le jeu suivant, mec. On va pouvoir jouer au jeu suivant. Ouais. Ok. Allez, j'ai pris la décision de changer de jeu, les amis. C'est chose qui arrive hein, dans live, on va pas se mentir. Tomber sur un jeu bien pourri du cul. Là. On va se pisser dessus. Alors, full screen, résolution. Wow! What the fuck? Ok, c'est parti. Allez. On est à la recherche des 5 objets en moins de 50 secondes. Attends, 20 secondes. Oh putain, il est là. Est-ce qu'après, on va regarder une compilation de malaise pour aller mieux? Oh! Il y a l'odeur du stress un peu là. Ah ouais, mec? Qu'est-ce qui se passe là? Tu dois choper 10 objets en 5 minutes. Des pages sur les arbres, il y en a là. Oh, ce mode me plaît. C'est attends, quoi c'est quoi ça? Ouais. C'est lui. Cours. Oh putain!
Au bout, c'est pas lui ça. Non, non c'est un lampadaire, regarde, c'est un putain de lampadaire. Oh, ça c'est lui. Non. Ça c'est lui. Non. Ça c'est lui. Ça c'est les. Les. Il me suit, il me suit. Oh, il me suit, il me suit, il me suit. Ah, il est là, je le vois. Non. Foule à la page. Une, deux. Et il y a une feuille dessus. Trois, quatre. Non. Et est-ce que tu peux. Il doit y avoir un truc, mais on sait pas, je pense, c'est sûr. Il y a forcément quelque chose. Peut-être j'ai. Faut juste l'éclairer quand il arrive, à mon avis. C'est un mignon avec ce jeu. Attends, mais y a pas un truc à voir, genre attends. Elle me dit, t'es du prix par rationnel. Il nous faut des vidéos malaisantes, les amis. On attend ça. Il sait pas aller les porter. Toujours travailler au bout de guerre. Sûr. Allez, il va vous voir. Oh, ça m'énerve. Mais comment tu laisses ça dans le reportage? Ah non, mais c'est pas possible. Essaye de trouver autre chose. Ouais, Sarkozy. Chut, t'es sur France 2. Alors, moi, public de merde ce soir. Oh, il a insulté le public? Il vient d'insulter le public? On a un public de merde. Mais non. Moi, public de merde ce soir. Non, pour la première fois. Oh, il est en mode try to not cringe. Try to not cringe, rookie édition quoi. C'est un supplice. C'est un supplice. Le par là, on plonge comme ça. On plonge comme ça. On plonge comme ça. On plonge comme ça. Et on plonge comme ça. Pineapple pen? Pineapple pen. Ah, oui, mais quand même, c'est plus bon. Mets-le quand même. Pipi et pi. Il a fait un truc, t'as vu, regarde. Oh, pas mal. Ça bosse. C'est vraiment pas prêt. Alors attends, franchement, attends, striptease. Franchement les gars. Voilà les petits salopards. Ils ont rien fait. Où est le reste? Ils ont rien fait. Ce pauvre lapin, on l'a fait se manger. Oula. Oh putain, il est vite parti. Oh, il s'est dit en tout cas. Déjà, on me parle mal. Bon les amis, merci à tous d'avoir suivi ce live, on a passé un super moment. C'était merci trop de la balle. Merci beaucoup d'avoir réagi sur slip mouillé. Slip mouillé. Merci de nous avoir accueillis dans Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, j'envoie la facture par mail à chacun d'entre vous. À bientôt. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci les internautes.